salutations, petit moustique qui aime piquer le sang qui se trouve dans l'arrière-train d'un facochère. Bienvenue sur ce nouvel épisode consacré à l'Iron Man avec la plus sexy de toutes les chamelles. Oui, c'est une chamane avec des mamelles car c'est une taurenne. Bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver. Ça fait plaisir, entre toutes ces vidéos consacrées à la bêta de Légion, un petit peu d'Iron Man, ça détend dans les petites terres agréables de Mulgore. Non, Mulgore. Je ne sais plus, Mulgore. Mulgore, c'est un fromage, c'est pas pareil. On ne parcourt pas un fromage, c'est pas épique. Bon, nous validons la quête des cerfs furie des vents, hein, comme on a fait la dernière fois, ça fait du bien. Ça vide un petit peu nos sacoches. Et puis, on va aller traîner nos baloches, c'est pour la rime hein, en hoche, jusqu'au point d'interrogation suivant de Mazranach. Oui, c'est ça, c'est Mazranach. Aujourd'hui, pas de webcam, car comme tu peux le regarder, il est 4h05 du matin. Non, tu le vois peut-être pas. Bah non, il n'y a pas la webcam, donc tu le vois. Il est 4h05 du matin. J'ai pas envie de mettre mes lentilles, j'ai pas envie de me coiffer, donc je fais ça sans la webcam. Du coup, je ne t'impose pas une vision d'horreur, et ça c'est formidable. Allez, on continue. Ah, on a gagné du cuir, qui est mieux que ce qu'on avait. Là, c'est du tissu, donc on s'en fout. On va prendre les bandelettes en peau de puma. Oh yeah, et on a pris un level. Alors attends, on va déjà mettre ces bandelettes en peau de puma. Voilà, on les a équipées. Et nous gagnons une nouvelle technique. Il s'agit de bouclier de foudre, que je vais tout de suite essayer. Et donc ça me met autour de moi des petites orbes, et quand on me touche au corps à corps, et ben la personne qui me touche subit 6 points de dégâts de nature. Je te promets, j'ai envie de roter, il est très loin encore dans l'estomac, mais je le sens remonter. Alors je ne promets pas que je pourrais y échapper. Est-ce qu'on a d'autres quêtes à prendre par là dans le coin? Je ne pense pas, alors, en tout cas je n'en vois pas. Je consulte un petit peu ma carte ici. Ah ben on peut aller faire ça, la terre s'agite, le doute m'habite. Oui, on va aller faire ça, on va partir par là-bas. Donc, de quoi il s'agit? Il faut calmer des esprits. Bon, bah, moi, je vais te foutre 2-3 torgnoles dans la gueule. Je peux te dire que ça va les calmer, les esprits directs. Hein. Attention, cette technique marche aussi sur les enfants. Une bonne grosse torgnole dans la gueule, je peux te dire que Ludmina et Kevin, 4 ans et demi et 5 ans, ne se la ramènent pas. Bizarrement, je n'ai jamais compris pourquoi, malgré ma super technique pour calmer les mioches, personne ne veut que je fasse du babysitting. C'est bizarre. Puis quand ils sont plus jeunes, hein, qu'ils n'ont pas encore la compréhension du langage des adultes, un bon coup de pied, je peux dire que ça calme, mais bizarrement après ils ont envie de faire une petite sieste. Ouais bon, ok, tu l'as compris, je déteste les gamins. Je ne supporte pas les enfants, enfin les bébés je veux dire. Après c'est un peu, quand c'est un peu plus grand c'est déjà un petit peu mieux. Bon bref, le bouclier de foudre, ah bah moi à l'époque où j'ai testé chaman, car oui j'ai joué un chaman à une époque, c'était 10 minutes. Qu'on gardait le bouclier de foudre, donc il fallait le refresh assez régulièrement. Donc maintenant c'est 59 minutes. Donc j'imagine que dans les commentaires quelqu'un va me dire « Oui mais le maintenant c'était il y a quand même depuis 4 ans. Hein. » Oui bah j'en sais rien, j'ai pas joué chaman toute ma vie. Je sais juste qu'à l'époque c'était comme ça. Du coup que vous dire? Oh là là, on voit Python du Tonnerre au loin. Je pense que c'est Python du Tonnerre, c'est magnifique, c'est très paisible. C'est quand même agréable, il n'y a pas à tortiller du cul pour marcher droit. D'ailleurs, je marche droit et je ne tortille pas du cul. Si jamais t'aimes bien un petit défi Iron Man comme ça, ça te fait plaisir, alors n'hésite pas à lâcher un petit pouce positif sous la vidéo. Tu peux aussi lâcher un petit commentaire. Je t'invite également à nous rejoindre dans la communauté de la chaîne Foufflet. Tu peux cliquer sur t'abonner, c'est gratuit. Attention, je ne vois plus rien. Voilà, j'ai aggro. Donc il ne va peut-être pas me suivre jusqu'au bout. Bon, allez, on va se le faire, c'est pas grave. Une petite frappe primordiale, et puis on va enchaîner sur un éclair, enfin sur plusieurs éclairs de toute façon pour le tuer, peut-être 2 ou 3, je ne sais pas trop. Bon bah voilà, on a fait un coup critique, donc moi les coups critiques c'est fantastique, j'adore ça, j'en mangerai toute ma vie, et du coup ça nous économise du temps. Donc je disais mon petit kiki, j'aime bien vous appeler mes petits kiki, moi je ne sais pas pourquoi, je trouve ça mignon. Alors n'y voyez pas une image de bite, pas kiki ce sens là hein. Vous savez les petits nounours, les kiki de tous les kiki, c'était des nounours dans les années 80 ou non, ouais non, peut-être trop jeune. Moi qui ai connu ça, mais c'est scandaleux. Bon, on approche de la zone, donc c'est déjà un bon plus pour aller calmer les esprits. Et donc je disais, hein, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, c'est gratuit, ça fait plaisir et tu verras, on est bien entre nous. On se fait des bisous, des papouilles. Donc ici on a un esprit de la terre qui est agité. Donc normalement je devrais pouvoir le calmer. Es-tu le calmé? Ah bah il est plus que calmé, il est pas content. Ok, donc on va se le faire, hein, y a pas de souci. Allez meurs, vil esprit de la terre, que j'essaye d'apaiser mais que tu ne veux rien entendre. Et j'ai gagné une particule, mais c'est fabuleux. Ah oui, puis à l'époque le bouclier de foudre c'était 3 charges. C'est fini ça. Ah ouais, c'est fini. Maintenant, il y a des charges illimitées. Ok. Bon, écoute.
Pour ce que ça change, hein, oui, c'est une simplification du gameplay, mais c'était pas non plus exceptionnellement intéressant de devoir refresh toutes les 3 boules ou toutes les 10 minutes, hein, je te le dis. Esprit calmé, viens ici, mon petit. Bon, maintenant, je sais qu'il va attaquer, donc je me prépare. Ah non, lui, ça marche. Ok, d'accord, donc celui-là, on a réussi à le calmer. Ok, bah, ça, c'est cool. Est-ce que toi, tu es calmable facilement? Attention. Oui, c'est le deuxième. En fait, en gros, il y avait celui qui était en bas qui était pas content, je pense. Voyons voir celui-là. Oui, c'est bien la bonne touche. Est-ce que ça fonctionne? Oui, j'allais dire évidemment que je suis collé au corps à corps, celui-là va pas fonctionner. Mais si. Ah, c'est à une distance quand même. C'est pas forcément. On n'a pas besoin d'être collé au cac nécessairement. Hein. Et ça, c'est cool. Oh là là, ça marche aussi. 4 sur 6, mais dis donc, ça va être rapide. Allez, je joue du tambour. Sur le cul de ma grosse femme. Ça marche aussi. Génial. Mais putain, ça va aller vite comme quête. Alors pourquoi ici tu as plein d'esprits de la terre et tu ne sais pas? Qu'est-ce qu'il y a dans cet endroit ici de spécifique? Je ne sais pas. Apparemment, ça plaît aux cailloux d'être ici. Et toi, pour faire chier le monde, tu vas être hostile? Bah tiens. Il en fallait bien pour faire chier le monde. Hein. C'était le dernier, c'était trop beau. Ah là 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 là. C'est pas grave. Le prochain, ce sera le bon. J'y crois, j'y crois. Bon bah du coup on va looter hein, des petites... J'avais du testicule élémentaire interne, inerte en plus. Donc de testicule élémentaire inerte. Bah oui c'est ça. Mais je ne sais plus ce que j'avais lu. C'est pas grave, je m'en rappelle déjà plus. C'était il y a 3 secondes, bon c'est pas grave. Tambour de la terre apaisé, allez. Je vais t'apaiser mon petit, grâce au chant magnifique de la fouflette. Est-ce que tu es bon? Oh ça y est, 6 sur 6, c'est parfait. Bon, bah, à part manger des saucisses, on peut aller ici, acheter un voyage. Non, bah, du coup, on va se re-TP ici à la Terre Sagitte, enfin, à l'auberge. Comme ça, on se rapproche de la Terre Sagitte, le nom de la quête, afin de la rendre. Et on pourra se diriger, du coup, à l'opposé de là où on est, pour faire les autres quêtes. Parce que là, d'ici, ça fait quand même un petit bout. Hop, bonjour, je ne fais que passer. Prout, je suis désolé, j'ai pété dans ton auberge. Maintenant, va falloir tout désinfecter. C'est où? Ah, c'est là. Attention, je contourne magnifiquement et sexyment ce poteau et me voici. Donc, on a des gants en tissu, donc non. Une hache qui est mieux que ce que j'avais. Hein. Oui, hein. On est d'accord. Oui, elle est mieux. Bah, du coup, on va prendre la hache. Du coup. Voilà, nous avons une belle petite hache. N'étant pas équipé de... Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai disparu sous les escaliers, dis donc. N'étant pas équipé de multiples sacoches, je m'en vais me diriger vers un marchand afin de me substanter, c'est pas ça que je cherche, afin de liquider quelques articles. Et c'est pas possible ici. Oh, c'est pas un centre commercial? Mais c'est scandaleux, je cherche le centre commercial. Bon, je vais aller à l'auberge, hein. Toi, t'es rien. Toi, on s'en fout. Toi, tu n'es rien non plus. Toi non plus. Bon, on va aller voir monsieur l'aubergiste. Parce que, bon, les places sont limitées et on chope quand même pas mal de petites merdouilles sur tout le monde. Du coup, c'est dommage de se priver d'un petit peu d'argent. Je voudrais regarder vos articles. Et oui, car il faut regarder pour vendre. Ma viande de loup, je te la vends. Viande de trotteur aussi. Ma vieille masse pourrie aussi. Ça, c'est un objet de quête. Totem de purification, c'est un objet de quête. Ça, c'est un brassard décoloré. Je te le revends aussi. Voilà. Oh oui, j'aime bien quand le vent me pousse. Prout, je suis désolé, j'ai encore lâché une prout. Bon, c'est par où? 1 et 2. Ouvrier de la capitale risque tué et écritoire de vibrouage. D'accord, ok. Et mes purifications de sabots d'hiver, c'est où, c'est ça? C'est où ça? Purification de sabots d'hiver. Mais c'est ici. D'accord. Ça se marche comment? Mais je ne comprends pas. C'est où Sabot d'hiver? Ah, il faut que j'aille... Bon, on va aller à Sabot d'hiver, alors. Ah oui, mais c'est à l'opposé de notre quête. Ouais, bon, c'est un petit détour. Mais on va regarder. Parce que visiblement, je peux purifier Sabot d'hiver. Il y a un puits. C'est ce truc-là. Ça puise de l'eau, ça. Je pense que oui. Oh, il y a des gens dans un cercle. Alors, est-ce que c'est ça? Si je me mets dedans. Alors là, je suis en plein dedans. Non, c'est pas ça. Ah non, puis sabot d'hiver, sabot. Puis sabot d'hiver, c'est un peu plus loin. Bon, on va aller avancer un petit peu et on va regarder ça. Hein, je pense que c'est le puits qui est caché là-bas au fond.
Ah, nous sommes protégés par un brave corne de roc, et ça fait plaisir. Je me sens en totale sécurité. Non, petit loup, ne viens pas vers moi, sinon je suis obligé de prendre ta vie, et j'ai vraiment pas envie de te tuer, je préfère t'épargner, et puis en plus, comme ça, on gagne du temps. Donc, on arrive. Ah, il y a un traînard de totem sinistre. Pardon, je tousse dans le micro, c'est pas poli. Ah oui, il y a du monde en fait. D'accord. Mais écoutez, on va les tuer. Ils sont level 5. Moi je suis level, je ne sais pas combien, 8. Oh bah c'est du easy dis donc. C'est easy easy les facochères et les doigts dans le nez. Allez, on se rapproche. Allez l'éclair. Voilà, merci. Oui, par moments j'ai des intonations de voix différentes, je sais, c'est comme s'il y avait plusieurs personnes en moi qui s'expriment à tour de rôle. Mais elles ont toutes une connerie à dire dans tous les cas, donc ce n'est pas très grave. Vous verrez rarement des propos philosophiques sur la chaîne. De toute façon, c'est pas le but. Allez, on s'approche. Alors, on va pouvoir purifier. Oui, c'est ici. Purifions le puits, sabot d'hiver. Oh, c'était facile. Comme ta sœur. Et maintenant, on va aller de ce côté-là. Écritoire de vibrouage et capital risque. Donc, nous nous faufilons, comme à notre habitude faufilesque. Voilà, je pense à faufilesque, je dis. Enfin, non, je dis faufilesque, je pense à faufilet. Et de faufilet, je passe à viande et j'ai envie de manger de la viande. Oui, bah, moi, il m'en faut peu. Alors, je te raconte pas quand je pense à des bonbons, c'est même pas la peine. Est-ce qu'on va arriver à se faufiler sans aggro? Normalement, ils ont pas un level élevé, ils sont level 6, donc je devrais avoir pas trop de facilité d'aggro. Non, c'est bon. Nickel. Alors, c'est de ce côté-ci, je pense. Oui, c'est par là. Génial! Je sais que vous préférez quand il y a la webcam, pour la plupart d'entre vous, dès qu'il n'y a pas la webcam, me font la remarque. Et c'est vrai que moi aussi, j'avoue, quand je regarde une vidéo de jeu vidéo, j'aime bien avoir la webcam de la personne parce que j'aime bien avoir la réaction du visage de la personne et pas seulement la voix. Puis j'aime bien aussi savoir qui j'écoute, à quoi il ressemble. Et c'est un gros plus, je trouve. L'inconvénient, c'est que des fois, on est plus tendance à vouloir regarder la webcam que regarder le jeu. Et du coup, on est peut-être moins attentif au jeu. Ce n'est qu'un petit détail. Alors ici on s'approche. Gentiment mais sûrement. C'est quoi ça? Il y a un puma des basses plaines qui est mort. Il y a quelqu'un dans le coin donc. Mais je ne sais pas qui. Ou alors c'est scripté et c'est les mobs qui se tuent entre eux. Ce qui est possible aussi. Non, là il y a trop de cadavres. C'est louche. C'est louche, c'est louche. Il y a un joueur dans le coin. Bon après je suis dans une zone, je pense, je suis sur un serveur PVE. Donc je ne pense pas croiser, je ne peux pas croiser de méchants. Oh, petit puma. Fallait que tu viennes. Hein. Bon bah c'est pas grave, je vais être obligé de te tuer maintenant. Puma des basses plaines. Allez, normalement encore un éclair et c'est bon. Nice. Quelle force divinatoire je fais. Truc de malade mental. Donc ici on a les petits gobelins de la capitale risque. Bon, il faut en tuer 7. Ça va, c'est pas très compliqué. Ça va aller vite. Pour ceux qui suivent en cours de route. C'est pas un let's play à proprement parler, c'est un défi Iron Man, donc je n'ai pas le droit de mourir, pas le droit d'utiliser des points de talent, je ne peux pas jouer en groupe, je ne peux pas me stuffer avec des équipements autres que blanc ou gris. Pas de potions, pas de buff, enfin voilà quoi. Tutti quanti, tout ça je ne peux pas, le tutti quanti. Oui parce qu'on sait jamais, il y a peut-être des personnes qui tombent en cours de route et qui se disent c'est un let's play, mais c'est bizarre, il est mal équipé, il est pas bien stuffé, il fait pas ci, il fait pas ça, bah ben voilà comme ça tu sais. Ah mais il est pas mort. Et c'est la saison 3, parce que je te le donne en mine, bah, j'en ai déjà fait deux et je suis mort deux fois. Le premier, c'est la honte. J'ai dû mourir au level 7 ou 8 d'une vilaine aggro alors que j'étais pas devant l'écran. Enfin, je regardais pas le jeu. Et le deuxième, je suis mort sur une aggro de mob qui te renverse. Et du coup, bah, quand t'es renversé, tu peux rien faire. Et ils étaient deux. Donc du coup, bah, j'ai pris cher. Et je devais être level 16, je crois. On a aussi notre ami Djerkos, hein, qui nous a fait un Iron Man également. Qui lui est arrivé plus loin. Il est mort au level 18, je crois. 18 ou 19. En tout cas, il a pas dépassé le level 20. Mamouki aussi faisait des let's play, des défis Iron Man, mais il n'a pas été bien loin non plus. Le dernier en date, il est tombé il est tombé d'une branche d'arbre. Quand c'est comme ça, t'as juste envie de te cacher. Mais n'empêche que sa mort nous avait bien fait rire à ce moment-là, je m'en rappelle bien. C'est vraiment la mort stupide quand on défie Iron Man, c'est vrai que tu penses pas toujours, tu dis allez je saute, puis en fait tu te rends compte en sautant, tu fais putain je suis sur mon Iron Man, et t'arrives en bas, et hop carpet, tu fais oh putain, j'ai mouru. Bon ça j'ai pas à le tuer, ça non plus. Les gros dos du tout flasque. Ça oui. Donc on va aller voir le gros dos du tout flasque. C'est quoi? C'est un ouvrier. Bah tiens, je vais faire l'ouvrier ici. C'est un gnoll, ça va faire un petit cri quand ça va courir. J'aime bien ça. Vas-y, fais ton cri. Oh, on l'a entendu mais très léger. Donc vous, je sais pas si vous l'entendrez vu que je change les sons. Enfin, je modifie par rapport à la voix. En tout cas, on l'entend grogner. Là, c'est d'office, vous l'entendez.
Mais je préfère quand il fait son. Alors ici on a un autre ouvrier. Celui-là il est un peu plus facile à observer dans la nature. Disons qu'il ne passe pas inaperçu. Comparé aux gnolls ou aux gobelins qui eux sont pas plus gros qu'une fougère. Là j'avoue, tu le vois passer. Voilà, il est au corps à corps et du coup on l'a pu le terminer avec notre fabuleuse frappe primordiale. Ici nous avons encore un ouvrier, donc ça, bah, ça va mourir. Je te le donne en 1000. En combien de coups? 1, 2, 3 éclairs. Là on lance la quatrième. Eh ben, il faudra 5 éclairs pour tuer cette poupette. Eh ben dis donc. Mais ça va, pendant ce temps-là on ne meurt pas. Donc tout est bien qui finit bien. La suite. Alors, est-ce que c'est la grotte là-bas? Je sens bien que c'est la grotte. Mon avis, c'est ça. Donc on va faire le tour du campement et on va se diriger dans... J'ai cru voir une entrée de mine ou de grotte. Enfin, ouais, une grotte, une mine. Un entre dans la montagne, un trou, quoi, voilà. Un trou, bah pénétrons le trou. Hein. J'avais pas encore placé ce mot-là, pénétrer. Là, c'est chose faite. On dirait un nichon, ce truc-là. Magnifique. C'est quoi au-dessus? C'est une plante, c'est quoi? Ah non. Ok, c'est une forge ça? Ah non, elle est là, d'accord. J'allais dire, si ça c'est une forge, c'est une lampadaire, c'est un lampion. Voilà, nous pénétrons donc dedans. Ah bah là, je l'avais pas fait exprès, tu vois, de le citer ce nom. Hop, on se met comme ça sinon on voit rien. Et si on voit rien, c'est pas très intéressant. Allez, meurs. Oh, t'as quand même 240. Ah oui, c'est le superviseur lui. Hé hey, d'où tu me brûles? D'où tu me mets le feu aux mamelles là? Je suis scandalisé. Tiens, je t'assomme. Allez. Bon, ça va passer finger in the nose. D'ailleurs, en parlant de nose, j'ai le nez qui gratte. Oh, mais c'est quoi ça, motivé? Eh bah, ben, de toute façon, tu es mort. Voilà, on a les écritoires. Y a rien d'autre là-dedans? C'est des méchants? Oh, oui, c'est des méchants. En fait, j'aurais tout pu faire au même endroit. Bon, tant pis, on ne le savait pas. C'est pas très grave. On va s'en remettre. Si. Et ma pierre de foyer, c'est pas pour maintenant. Regarde-moi ça, si c'est pas joli. Ah, quelle jolie vue. Donc du coup, maintenant, faut retourner ici. Donc c'est par là, tout droit. Je pense que c'est sur la route, là, en face. T'as presque envie de venir l'été et de mettre tes pieds dans le petit étang, là, dans le petit lac. Je suis sûr que l'eau, elle est bien pure, elle est bien fraîche. Parce qu'en été, il doit quand même bien taper, ici. Hein. En plus, t'es dans une cuvette, donc niveau vent, bah, t'en as pas forcément en été. Ça doit être assez chiant. C'est hostile ce truc, je ne sais plus. Non, ça l'est pas, ça va. Parce que moi, je regarde la vue et je fais plus attention aux mobs. Bon, après, je sais bien que je vais pas mourir sur un mob. Surtout ici. Là, c'est pas encore trop dangereux pour nous, donc il n'y a pas encore trop de difficultés. Mais bon, ne jamais sous-estimer, parce que finalement, tu t'en prends un, et puis sans faire gaffe, tu t'en prends un deuxième, et puis ça commence à devenir chaud. Pas de popo ni rien, on le sent vite passer, hein, mine de rien. Bon, on va essayer de se faufiler entre les deux, mais c'est pas possible, ça. Arrêtez de bouger. Voilà, là je suis quasiment à égale distance des deux. C'est bon, on a gros personne. Hop. Ah, les musiques sont chouettes. C'est dingue qu'un jeu avec ces graphismes-là, c'est pas des graphismes, c'est pas le dernier moteur graphique, quoi. Et pourtant. Je sais pas, il y a un truc. Bon, on va pas s'éterniser sur la nostalgie, hein. Même si c'est agréable. Bonjour. La capitale risque. Oui, et voilà ton écritoire. Donc, ça, c'est ce que je te rends. Ah non, je choisis, d'accord. Choisissez votre récompense. Un éclateur gobelin. C'est un bâton à deux mains. Non, moi, je vais garder une arme à une main et un bouclier. Et des pieds en cuir, des chaussures en cuir. Eh ben, je prends les chaussures. Hop, voilà. Parce que jusqu'à présent, je marchais pieds nus, évidemment. Mais on a des sabots, pourquoi on a besoin d'avoir des chaussures? C'est des fers à cheval à la limite qu'ils auraient dû nous faire. Oh là là, qu'est-ce que je suis sexy dans mon legging H&M. C'est splendide. Je me fais rêver tout seul, je m'auto-excite en me regardant, dis donc. Donc là, on va aller valider la purification de sabots d'hiver. C'est celle qui a été très rapide à faire. Et puis du coup, après, je pense qu'on pourra s'arrêter dans le village. Bah ouais, ça peut être sympa. On arrive à nouveau dans le village. On arrive à une vingtaine de minutes d'épisode. Le temps qu'on valide, qu'on dise au revoir, on aura dépassé les 20 minutes faciles. Et puis du coup, le prochain épisode, on pourrait aller à Piton du Tonnerre. On irait dans la capitale, ce serait génial. On verra la magnifique vue. Bon, je peux pas dire la magnifique architecture, parce que bon, mine de rien, ça reste des étoiles de temps, il me semble, hein, dans mes souvenirs, même si elles sont plus ou moins imposantes.
avec des formes diverses évidemment, mais bon, ça reste de l'architecture taurenne. C'est pas non plus des grosses cathédrales. Mais je pense que le voyage en griffon peut être somme toute intéressant. Mais oui, on va prendre de l'altitude, on va s'envoler, mesdames et messieurs, les mamelles à l'air libre et en altitude, voilà de quoi faire fantasmer le plus récalcitrant d'entre vous. Bon, on approche de Mulcorne Tonnerre, bonjour. Et je vais choisir, c'est soit de la... bon, bah voilà, ça c'est armure 2, donc on s'en fout, on va prendre ça, ça se vend le plus cher du coup. Collecter 6 griffes de tracker et 6 griffes de puma. Putain, t'aurais pas pu le faire avant ça. Elles sont où? C'est là? Bon, allez. On va aller voir ça de plus près. Je m'attendais pas à ce qu'on me redonne une quête tout de suite, en fait. Si j'avais su, je l'aurais validé. En fait, ouais, je pense que dans l'ordre des choses, ça aurait été que je la valide d'abord. Avant d'aller faire la capitale risque. Parce que sur le chemin de la capitale risque, on trouvait des pumas. Ouais. Je pense que logiquement, ça aurait dû être fait dans cet ordre-là. Du coup, bah, on retourne vers les pumas. Et il faut 6 griffes. Ah, il faut des trackers aussi. Non, ça, c'est un trotteur. Oui, ça, c'est des trotteurs. C'est pas des trackers. Ça, c'est des loups. Allez, je sais qu'il y a des pumas. On va y retourner. Je sais qu'ils sont là-bas, vers la capitale risque. Ça, c'est un rapace. Mais un tracker, c'est pas un trotteur, on est d'accord. Griffes de tracker. C'est quoi un tracker? Je ne sais plus. Ah, c'est ça, d'accord, ok. Bon bah tu es un tracker, je suis désolé, je vais devoir t'enlever la vie. Je sais, les chamans, tout ça, normalement on est censé être pour la vie. Mais bon, ici, là, tu vois... Waouh. Mais non, on dirait le chien de ma mère quand elle a son bol de croquettes. Elle te fait le même saut dans la cuisine. Bon bah ça c'est fait, 1 sur 6. Oh là là, deviens tout chocolat, Choco Pops. Allez, une éclair, deux éclairs. Petit coup au corps à corps quand même, hein. Et là il te reste 17 PV, c'est-à-dire pas grand chose, et tu es mort, et tu me donnes ta griffe. Merci. Puis une petite queue touffue. On a toujours besoin d'une queue touffue, hein. On s'en rend pas compte, mais avoir une queue touffue sur soi, c'est très utile. Hein, est-ce que toi, t'as toujours une queue touffue avec toi, hein? Eh ben tu devrais. D'ailleurs, la queue touffue, à une époque, c'était à la mode en porte-clé quand j'étais jeune. Oui, c'était il y a longtemps, je sais. Merci. Je t'aime aussi. Hop! Et toi, tu me donnes ta griffe. C'est merveilleux. Là-bas, on a un tracker, donc ça, c'est cool. Je visionne tout autour de moi grâce à ma vue hyper développée. Oui, grâce à mes lunettes, en fait. Car sinon, ma vue, elle est hyper développée pour ne rien me faire voir. Hein. Ça, j'ai une vue inversée. Moi, je ne vois rien. Ah là, ce saut. Et en plus, tout ça pour se mettre entre mes jambes, quoi. C'est sexy. Oh, elle a pris un level. Cool. On est niveau 9. On n'a rien déverrouillé, on n'a pas chopé une nouvelle attaque, mais c'est pas grave, on est niveau 9, c'est cool. Allez, viens ici, toi. Hop, voilà, on est à bonne distance, 30 mètres de portée. Ah, c'est pas la plus longue de toutes les portées, mais c'est quand même un petit gain de facilité, une petite facilité en plus. D'éviter le corps à corps en Iron Man, c'est quand même un gros plus. Même si les mobs finissent de toute façon par finir au corps à corps sur toi, la plupart des mobs, hein, qui sont avec des attaques cac te viennent dessus, ce qui est logique. Mais du coup, ça permet d'entamer pas mal sa vie entre temps, entre le moment où il court sur toi. Toi, là, il est arrivé sur moi, pouf, la moitié de sa vie en moins. Oh, oh, tu fais gémir la foufflette, dis donc. Tu vas nous exciter les gens, là. 4 sur 6. Ici, on a du puma. Puma, puma. Hop, on se met à 30 mètres. C'est bien, pas la peine de s'avancer plus, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas utile de prendre des risques. On va faire un petit coup critique, 47, ma foi, c'est somme toute sympathique. Et on se fait une frappe primordiale et on dit au revoir le puma. Voilà, tu vois quand tu veux. Bon, moi je vais me mettre ici, on va arrêter là, je ne veux pas faire un épisode trop long parce que 30 minutes d'épisode, on va arriver bientôt, enfin là on arrive à 25, 30 minutes ça commence à être un peu indigeste. C'est plus facile de se dire 20 minutes, puis de se dire oh là là j'en aurais voulu plus. Une bouffée du gros pavé. Sur ce, si ça t'a fait plaisir, j'étais en train de faire coucou et de regarder ma webcam, mais non, ça ne sert à rien car elle n'est pas en fonctionnement actuellement, je suis désolé pour cela. Bah, t'hésite pas à lâcher le petit pouce positif si ça t'a plu, lâche un petit commentaire, à t'abonner, si tu l'étais déjà, je te remercie pour ta fidélité, et je te fais des gros bisous, et je suis impatient de te retrouver pour la suite de ce défi Iron Man, et je suis également impatient de te retrouver pour d'autres aventures sur d'autres vidéos sur la chaîne. Allez, salut les petits kikis. Yo. Oui, c'était le bruit du bisou.